Stéphane, vous êtes avec nous. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de présenter les morceaux que nous allons jouer pour vous ce soir. Alors ça veut, tous les morceaux, ou quasiment tous les morceaux sont des nouveaux morceaux. Je ne cache pas qu'il y a un petit un peu frais et bon, apparemment c'est un peu d'intelligence. Nous allons commencer ce concert en interprétant la musique qui accompagne les aventures de Red, Jay, Jack, Jim et Chuck et leurs amis les oiseaux fâchés. Alors, Ambiverse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est un jeu vidéo où des oiseaux essaient de récupérer leurs œufs en tuant ou détruisant des cochons d'œufs. C'est un jeu légèrement difficile, puisque vous pouvez jouer, et accompagné par une musique répétitive. La musique tourne en boucle pendant le jeu, nous allons la jouer plus de fois pour vous ce soir. Voici donc Ambiverse, sous la direction de Michel Fuchs, que vous pourrez tourner. Thank you.
telle façon, puisque nous allons jouer, puisque le morceau que nous allons jouer est une composition originale de Michel. C'est le seul morceau qu'il n'a pas arrangé en fait. Ceux qui n'arrangent pas, c'est ceux qui ont composé lui-même. Donc il s'agit de la troisième partie du suite que Michel a fait, suite pittoresque, qu'il a composé spécialement pour nous et pour vous. Nous ne jouerons que le troisième, la troisième partie de cette suite pittoresque, puisque les trois voyez que deux autres étaient pas prêts. Et là, celui-là. Il est prêt. Il faudra revenir l'année prochaine pour avoir la suite complète. Hein. Donc la suite comporte une valse, une polka et un swing.
adaptation de la bande originale du film de Fiona à son effet, le film de Bouche sorti en 1988. Avec Jean-Paul Belmondo qui a raconté l'histoire d'un enfant abandonné, qui passe son enfance en Afrique, qui après crée une entreprise qui devient un millionnaire. Francis Kay est un compositeur français, né en 1932 et mort en 2018. Il a composé à l'idée de nombreuses chansons et aussi de nombreux films. Il s'est fait connaître par la bande originale du film Un homme et une femme. Et Claude Lelouch lui faisait composer ses musiques de film avant de tourner le film et il passait la musique aux acteurs quand il faisait le film. Francis Kay a également reçu l'Oscar de la meilleure musique de film en 1970 pour le film Lost. Voici donc Ikea, l'enfant gâté, arrangé par Michel Foucault.
de faire ce moment récupérer un peu en demandant d'applaudir Michel qui nous a rempli les morceaux. En effet, on a une proposition un peu atypique, puis à un peu des niveaux disparates, des très bons joueurs, et des moins bons, mais je ne pas du tout. Puis on a, grâce à Michel, on a un programme qui est assez varié et assez éclectique. On a plusieurs types de musique qui créent une espèce de cohabitation pour prendre un nom qui sera peut-être à la mode dans quelques secondes. Nous allons revenir au jeu vidéo pour finir notre concert. Ce morceau est celui que nous avons joué en ouverture. Ça préfigure un spectacle ou un concert que Michel projette de monter autour du jeu vidéo l'année prochaine. Donc le deuxième qui dit par rapport à la suite tout à l'heure. Le personnage central du jeu est un assassin qui combat des Templiers. Il s'agit de la série Assassin's Creed. Nous allons jouer un extrait de l'épisode 4, Assassin's Creed Revelation, qui se situe à Constantinople et dont la musique rappelle en plus. Cette musique a été composée par Lord of the Feu et arrangée par Michel. Thank you.
Comme je le dis, on est un peu. On a monté trop la montée, donc on n'a pas de vie. Et on s'est dit à l'arrière, par contre, les oiseaux sont toujours fâchés. Donc on va rejouer en deux. Komadori, Komadori, ça y est, tu reprends fin des esprits? Tu m'as fait une sacrée peur. Mais où suis-je? Qui es-tu? Je m'appelle Nausicaa de la Vallée du Vent. Quand je suis arrivée, tu étais là, allongée par terre et inconscient. Oui, je me souviens. J'étais avec les miens quand une bourrasque de vent m'a emportée, sans que je ne puisse rien contrôler.
Je me rappelle avoir percuté une branche, puis être tombée. Pardon de ma curiosité, mais pourquoi m'appelles-tu Komadori et où ai-je atterri? Tu es dans le monde de Hayao Miyazaki, celui qui m'a créé et dessiné. Dans notre langue, tu te nommes Komadori, ce qui signifie rouge-gorge. Mais ne nous attardons pas trop ici, nous sommes proches de la Fukai et les Omu risquent de nous repérer. Les quoi? Les Omu, ce sont des insectes géants qui protègent la Fukai, une immense forêt dont les spores sont mortels. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Un jour, je prouverai le contraire. Je pense que cette forêt n'empoisonne pas l'environnement, mais qu'elle le purifie. D'accord. Je ne comprends pas tout, mais d'accord. C'est bien joli tout ça, mais comment je fais pour retourner dans mon monde? J'ai perdu beaucoup de plumes dans mon accident. Je ne peux plus m'envoler. Ne t'inquiète pas, avec un peu de patience, de rencontres et de magie, tout rentrera dans l'ordre. Cela ne m'éclaire pas trop, Nausicaa. Tu vas comprendre. Tiens, prends ce sifflet que j'ai autour du cou et qui me sert à éloigner les Omu. Ok. Et? Patience. Mais non, ce n'est pas possible. Je rêve. Une de mes plumes vient de réapparaître. La magie. Pour regagner chacune de tes plumes, il te faut aller à la rencontre de plusieurs personnages créés par Miyazaki qui te donneront un objet important à leurs yeux. Une fois que tu auras toutes tes plumes, tu pourras alors retourner dans ton monde et chacun d'entre nous récupérera son objet fétiche. Allez, en route, Komadori. Monte sur mon planeur. Je te dépose à ta prochaine destination. Merci, Nausicaa. Thank you.
Tiens, c'est étrange. Cette contrée me semble familière. Des maisons à colombages, serrées les unes contre les autres, des rues pavées. Oui, cela ressemble à l'Alsace. Par contre, ce que je vois arriver au loin ne me rassure pas du tout. Quel est cet étrange château monté sur quatre pattes métalliques et qui se déplace? C'est le château ambulant. Oh là là, tu m'as fait peur. Je ne t'ai pas entendu arriver. Pardon, je suis Sophie et ce château vient me chercher. C'est là que je vis désormais, avec Oru, Im, Marco, la sorcière des Landes et Calcifère, le démon du feu qui fait avancer le château. Mais parlons un peu de toi, tu es bien Komadori et tu viens chercher un objet, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Eh bien, je te confie cet anneau que Oru m'a légué. Sans ce cercle magique, je n'aurais jamais retrouvé le château, ma jeunesse et l'amour. Puisse-t-il te guider comme il l'a fait pour moi? Hop! Et voilà une deuxième plume. Cette magie, c'est vraiment étrange. Mais je suis ravie. Merci Sophie. De rien. Prends place dans notre château ambulant et direction la ville de Corico. Komadori, coucou, je suis là. Mais qui est cette jeune fille qui arrive en lévitation sur un balai? Décidément, ce monde est fantastique. Bonjour. Je suis Kiki, la petite sorcière, et voici mon fidèle compagnon, Gigi, mon petit chat noir. Mais que fais-tu là dans cette ville? Je ne vois pas d'autres sorcières. Dans ma famille, nous avons une tradition. Les sorcières de 13 ans doivent s'établir pendant un an dans une autre ville sans sorcière et trouver un métier. Je suis arrivée ici il y a quelques mois dans cette ville fabuleuse proche de la mer. J'y ai fait de belles rencontres, dont Tombo, un garçon de mon âge devenu mon ami.
Je suis heureux pour toi, Kiki. Comme tu le sais, j'ai pour mission de récupérer un objet qui t'est précieux. Oui, voici une tétine de bébé. C'est grâce à elle que j'ai trouvé mon métier dans cette ville. Elle m'a permis de rencontrer Osono, une boulangère devenue ma patronne. Osono, alors enceinte, n'a pas pu rendre la tétine oubliée à sa cliente. Je l'ai donc récupérée et livrée grâce à mon balai. Depuis, j'effectue la livraison aux clients d'Osono. Prends-en soin. Merci. Tiens, c'est bizarre. Qu'y a-t-il, Komadori ? Eh bien, une nouvelle plume est censée apparaître. Mais là, rien. Regarde donc ton autre œil. Mon autre œil ? Ah oui ! Ouf ! Et une de plus. Te voilà rassurée. Allez, c'est pas tout, mais j'ai des livraisons à effectuer et je dois d'abord te transporter dans un autre temps. Prends place sur mon balai et accroche-toi bien. Gare aux secousses. Un autre temps ? Transporter sur un balai ? J'ai dû me cogner la tête vraiment très fort dans mon accident. Thank you.
Jusque-là, rien d'anormal. Il fait froid tout de même. Je vais marcher un peu, ça me réchauffera. C'est bizarre, je me sens observée. Tiens, une tête dans les arbres. Deux têtes? Une invasion de têtes? Mais qui sont ces petits humanoïdes? Ce sont des Kodama, des Sylvains si tu préfères. Tu m'as fait peur! Mais enfin, c'est une manie dans votre monde d'arriver dans mon dos. Excuse-moi, Komadori. Je me nomme San, ou Princesse Mononoke. Abandonnée par mes parents, j'ai été élevée par Moro, la déesse loup. Les Sylvains que tu as devant toi sont les esprits de la forêt. S'ils ont l'air malheureux et inquiets, c'est que l'état de notre forêt est au plus mal. Ah bon? Mais à cause de quoi? La déforestation. Dame Eboshi, la chef du village des forges, recueille ceux que la société a abandonnés, et pour survivre et forger des armes, elle abat les arbres de la forêt, ce qui ne convient ni à Moro, ma mère, ni à Nago et Okoto, les dieux sangliers. C'est pour cela que nous sommes en guerre. Je dois au plus vite aller au village de Dame Eboshi pour parler avec elle et avec un certain Ashitaka qui vient d'être recueilli. Mais avant cela, je te confie mon masque qui te permettra de gagner une plume supplémentaire. Oh, merci, San. Et attends, ne t'en vas pas tout de suite. Je fais comment pour partir d'ici? Ne t'inquiète pas, Marco va arriver. Thank you.
Marco va arriver. Ok, je ne panique pas. Après tout, je suis juste un petit rouge-gorge. Seul, en pleine nuit, dans une immense forêt à une époque lointaine. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi paniquer. Mais quel est ce bruit au loin? Ça se rapproche. Je rêve. Un hydravion. Ne bouge pas, Komadori. Nous arrivons. Ouf. Ceinture bouclée, sain et sauf dans l'hydravion. Es-tu Marco? Oui, Komadori. Marco Pago, pour te servir, ancien pilote des forces aériennes italiennes. Mais tu peux m'appeler Porco Rosso. Eh oui, j'ai été transformé en humain à tête de cochon. Tout est permis dans le monde magique de Miyazaki. Et la belle jeune fille qui se trouve à mes côtés se nomme Fio, petite fille de mon ami Paolo Piccolo. Mon hydravion a été dévasté par Donald Curtis, engagé par les pirates de l'air Mama Ayuto. C'est Fio qui a dessiné les plans de mon nouveau moteur, puis tout réparé. Du coup, nous faisons des essais. On nous a prévenu de ta mésaventure et de ta mission, donc nous voilà. C'est très gentil à vous. Laissez-moi deviner, l'objet que je dois récupérer, ce ne serait pas le plan du nouveau moteur? Bien vu. Et grâce à lui, tu auras une nouvelle plume, n'est-ce pas? Oui. Et la voilà. Parfait. Nous devons rejoindre mon île maintenant que les essais sont faits. Mais auparavant, direction la falaise. J'espère que tu n'as pas trop le vertige. Non, non. Sur la terre ferme. Tous ces transports commencent à retourner mon estomac. Bonjour, Komadori, nous t'attendions avec impatience. Bonjour. Qui êtes-vous, jeunes enfants? Je suis Sosuke et voici mon ami Ponyo. Nous avons tous les deux 5 ans. Mais que faites-vous tout seul? Nous allons chercher Lisa, ma maman. Elle n'a pas pu rentrer à cause de la montée de la mer. Pourquoi la mer est-elle montée autant et subitement? C'est à cause de Fujimoto, mon père. C'est un sorcier qui vit au fond des océans. Avant, j'étais un petit poisson à tête humaine. Moi, j'ai toujours voulu vivre sur la terre. Alors, je me suis enfuie. Et j'ai fait la rencontre de Sosuke qui m'a recueilli et qui m'a permis de prendre forme humaine. Seulement, voilà, Fujimoto est très, très, très en colère. Comment allez-vous faire pour vous déplacer jusqu'à Lisa? Grâce au pouvoir magique de Ponyo, qui a transformé mon bateau jouet en véritable bateau. D'accord. Alors je ne vous retarde pas plus. Auriez-vous un objet à me remettre? Oui, ce petit sauveur dans lequel j'ai transporté Ponyo quand il était encore un poisson. Merci Sosuke. Mais pourquoi t'agites-tu, Ponyo? Là, regarde ton aile.
la magie. Cette falaise avec magnifique vue sur la mer, je me suis assoupie. Je veux dire que cela m'a fait le plus grand bien. À qui ai-je l'honneur? Je suis Baz et voici mon ami Chita. Monte à bord de notre flapter. Un flapter? Allons bon, encore un nouvel engin volant. Et où allez-vous comme ça à bord de votre flapter? Nous sommes à la recherche du royaume de Laputa, plus précisément d'un château sur une île qui flotte dans le ciel. Évidemment! Où en avais-je la tête? Chita détient une pierre de lévitation. C'est un pur cristal que seul le peuple de Laputa savait créer, ce qui leur a permis de construire une île flottante dans le ciel. Nous savons désormais que le château dans le ciel n'est pas une légende. Je vois. J'espère que vous trouverez ce lieu magique au plus vite. Merci, commandant. Chita, peux-tu lui donner l'objet? Oui, bien sûr. Voici mon pendentif contenant la pierre de lévitation. Merci à vous deux. Mes ailes commencent à se remplumer. Je viens avec vous à Laputa? Non, nous devons te conduire dans le monde des esprits. Courage à toi, Commodore. Ouais,
Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Et en y regardant de plus près, il y a quand même quelque chose de bizarre. Je ne suis entourée que de cochons. À part cette petite fille qui accourt au loin, que des cochons. Komadori, ne reste pas là. Grimpe dans la poche de ma veste. Je t'emmène au palais de Yubaba, tu seras en sécurité. Ah, nouveau mode de transport, la poche d'une veste. On aura tout vu. Voilà, nous y sommes. La chaufferie du palais. Ici, tu ne crains rien et Yubaba ne te trouvera pas. Je m'appelle Shihiro, ou plutôt Sen. Bonjour, Shihiro. Ou plutôt Sen. Pourquoi as-tu deux prénoms ? Mon ancien prénom est Shihiro. Je suis arrivée par hasard dans ce monde avec mes parents. Nous étions en route pour notre nouvelle maison, nous avons percé un tunnel et sommes arrivés ici. Mes parents ont ensuite été transformés en cochons. J'aurais pu subir le même sort si je n'avais pas été aidée par un jeune garçon nommé Aku, qui m'a trouvé du travail au palais. Du coup, Yubaba n'a pas pu me transformer, mais elle a volé mon prénom et m'en a donné un nouveau. C'est sa façon à elle de nous contrôler. J'essaie de retrouver mes parents parmi tous ces cochons, mais ce n'est pas chose facile. Je veux bien te croire. Et une fois que tu les auras retrouvés, comment vas-tu faire pour leur rendre leur apparence ? Je dois pour cela aller chez Zeniba, la sœur jumelle de Yubaba. Je sais qu'elle m'aidera. En parlant d'aide, voici l'objet que tu es venu de récupérer. L'élastique dans mes cheveux. Il contient un charme de protection. Prends-le. Merci, Shihiro. Hé, regarde un peu. J'arrive presque à l'envoler. Oui, Komadori. Encore un peu de patience. Thank you.
Cela fait maintenant un moment que j'attends ce bus un peu spécial dont m'a parlé Chihiro. J'espère qu'il va vite arriver. C'est que j'ai des plumes à récupérer, moi. Ah, j'entends du bruit. Je l'aperçois. Tiens, pour être spécial, il est spécial. C'est un chat-bus. Bon, prenons place à bord. Commandant Yin, ouh, viens avec nous au fond du bus. Bonjour, qui es-tu? Et qui est ce drôle d'animal à côté de toi? Je suis Sasuke, et lui c'est Totoro. Étonnant, il ressemble à un gros ours. Et en même temps, on dirait un croisement entre un chat et un panda. Intéressant. Totoro m'aide à retrouver ma petite sœur, Mei. Notre maman est à l'hôpital. Elle devait venir nous voir ce week-end, mais elle est trop souffrante. Mei ne l'a pas supportée et a décidé de la rejoindre seule. Du coup, elle s'est perdue. Totoro est un esprit de la forêt. Il a fait appel au chat-bus qui a déjà repéré Mei. Nous allons à sa rencontre. Mais avant cela, le chat-bus va te déposer pour que tu puisses rejoindre ta dernière destination. À ce propos, voici le chapeau de Mei. C'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Totoro. Mei s'était aventuré près du gigantesque gantrier proche de notre maison. J'avais beau l'appeler, elle ne répondait pas. Je n'ai retrouvé que son chapeau. Je suivais un chemin souterrain et je me suis retrouvée dans le repère de Totoro. Et c'est ce chapeau qui va me permettre d'avoir une plume de plus? Oui. Merci Satsuki.
C'était bien ? Bonjour. Oui, très douillet, je dois dire. Je m'appelle Giraud Horikoshi, ingénieur en aéronautique. Tu n'es pas venu me chercher en avion ? Non, à cause de ma vue défaillante, je ne peux pas piloter. Le comble pour un passionné d'aviation, n'est-ce pas ? C'est sûr. Où sommes-nous ? À Nagoya, au Japon. Cette fois, tu ne rencontreras pas de créatures fantastiques, mais un monde qui s'apparente au tien. Je t'emmène sur une colline que j'affectionne tout particulièrement. Celle où j'ai pu retrouver l'amour de ma vie, Naoko Satomi. Retrouver ? Tu l'avais perdue ? En quelque sorte. Lorsque j'étais étudiant, durant un trajet en train, j'ai eu envie de prendre l'air sur la plateforme arrière. Mon chapeau s'est alors envolé et une belle jeune fille l'a récupéré de justesse. Puis, il y a eu un séisme, une grande agitation dans la ville et je l'ai perdue de vue. Plus tard, sur cette colline dont nous approchons, elle était là, en train de peindre. Une bourrasque de vent a emporté son parasol que j'ai rattrapé. Depuis ce jour-là, nous ne nous sommes plus quittés. Naoko m'inspire et me guide dans ma vie et dans ma passion pour l'aéronautique. Voilà, nous y sommes. Cette colline est tellement belle. Tu as raison. Contemplons-la quelques instants, si tu veux bien.
Dans le monde de Miyazaki. Voici ton dernier objet, mon chapeau, l'élément déclencheur de ma rencontre avec Naoko. Oh, merci Jiro, et merci à vous tous. Votre monde est certes surprenant, mais tellement rempli de rêves, d'amour et d'espoir. Regarde Jiro, la magie opère une toute dernière fois. J'ai récupéré toutes mes plumes. Grâce à vous, je vais pouvoir voler à nouveau et rejoindre les miens. Merci infiniment. Chut, écoute Komadori. Il est temps, le vent se lève. Et Victorien Didier, qui est le fils de professeur de violon et d'alto. Donc un grand bravo à eux.
eux. Merci à vous. Merci Eric, qui nous a accompagnés, qui s'est occupé des... Voilà, il nous reste à, je crois, peut-être redonner le micro, les gens, à notre ami... Voilà. Et alors,